un peu, mais j'ai toujours voulu dans mes chums retrouver un petit peu mon père, ses manies puis tout ça. Mais en tout cas, je changerais pour rien au monde mon père. Puis tu sais, quand on dit mon père c'est le plus fort, ben comme moi je le pense vraiment, puis je l'aime tellement là, mon père, c'est tout pour moi. Ouais. Papa, je t'aime. Et j'ai été pendant des périodes assez loin de ma mère. C'est vraiment en étant ici que j'ai pas le choix de ne pas y parler. C'est là que tu ressens le besoin vraiment encore plus de la voir. J'ai tellement hâte à sortir de la série dans mes bras. Là. De savoir qu'elle est là et qu'elle dit qu'on t'aime, qu'on te regarde tous les jours, ça m'a tellement fait... Ah! Ça m'a vraiment pincé le cœur pour vrai. Un mot de ta mère... Ta maman, il n'y a rien de plus important que ça, ça après. Alors, je vais terminer en disant à tous les parents des lofteurs, puis je le dis pour tous les lofteurs, vous voyez là à quoi a servi l'investissement que vous avez mis dans vos enfants. Tous et toutes, autant qu'ils sont extraordinaires. Bravo à vous, bravo aux parents. Merci, Louise. Vous savez, j'aime beaucoup Love Story et l'animer à chaque semaine, c'est un véritable privilège, mais ça, c'est vraiment le moment que je déteste. Quand vient le temps d'éliminer un lofteur, surtout quand vous êtes rendu si loin, vraiment, et je tiens à vous féliciter tous encore une fois, mais c'est le moment d'éliminer un autre lofteur. Alors, le Québec n'a pas choisi Thomas. Restez avec nous après la pause. On couronne le grand gagnant de Love Story 4. Vous regardez la grande finale Love Story 4, les dernières minutes. Et c'est le moment encore une fois d'éliminer un autre lofter. Alors, le Québec n'a pas choisi Delphine. On va tout de suite retrouver Virginie qui va nous parler des prix, parce que oui, il y a un grand prix ce soir, un très grand prix. Cette année, le grand gagnant de Love Story va gagner une maison Bonneville d'une valeur de 325 000 $. Une Ford Focus 2008 et 25 000 $ en argent. Chance donc de tout cœur à nos deux finalistes, Sébastien et Mathieu Casse. Merci Virginie. C'est bien. Alors avant de nommer le grand gagnant, j'ai une annonce à vous faire, une grande annonce. Alors la direction de TQS annonce qu'il y aura un Love Story 5. Oh! On vient tout juste de l'apprendre. Alors, bonne chance à vous deux. Bonne chance à Cass, bonne chance à Sébastien. Oui, le carton. Le Québec a choisi de consacrer grand gagnant de Love Story 4, Mathieu Cass.
Hey, c'est-tu Sharpie Sharp? C'est Sharpie Sharp! J'inviterai M. Danny Bonneville à venir te remettre les clés. J'invite Danny Bonneville à venir te remettre les clés de ta maison. Ta maison, Bonneville! À Virginie. Je sais que demain, les lofters seront à caféine. Merci aux collaborateurs. Merci aux extraordinaires lofters. Ils ont été si généreux. Merci à vous, cher public. Vraiment, merci d'avoir été là à chaque rendez-vous. Ça fait vraiment un honneur pour moi. Et, ben, l'émission de Lofstory, c'est la voix du maître. C'est ça, pas Lofstory? Maître, pour une dernière fois, la parole est à vous. Le loft. Mon loft. Depuis déjà 3 saisons, vivent entre ces murs ceux que j'ai choisis pour vous divertir. Plus de 40 lofteurs ont arpenté ce loft dans l'espoir de vous séduire. Aujourd'hui, le loft est vide. Vide de vie, vide de sens. Il n'y reste que le spectre de ceux qui y ont vécu. Les conflits, les amours et les amitiés resteront à jamais gravés sur ces murs. Ce soir, la porte du loft se fermera à tout jamais. Plus aucun autre lofteur ne pourra vivre en ces lieux. Bientôt, le loft sera détruit. Ce lieu sacré ne vivra que dans la mémoire collective et dans celle de ceux qui l'ont habité. Qui seront mes prochains lofteurs? Où vais-je établir ma prochaine demeure? Nul ne le sait, sinon le maître lui-même. Yes! C'est plus une maquette, c'est une vraie maison! Ouh, c'est Sharpie Sharp! Merci beaucoup à tous encore une fois. Merci Virginie. Love Story et Herbalessence.